Avec 6 millions de pratiquants réguliers, la course à pied est le troisième sport le plus pratiqué en France. De plus en plus de personnes sont tentées par le running, facile à pratiquer par tous les temps et sur tous les terrains. Mais pour une course 100% plaisir et pour prévenir les blessures, il est important de bien choisir vos chaussures. Pour choisir une paire de chaussures, il faut choisir l'amorti, la bonne stabilité par rapport à votre foulée. Donc il vous faut connaître sa foulée ou vous faire conseiller par un vendeur dans un magasin spécialisé. Et aussi choisir votre chaussure en fonction du revêtement et de la surface de course. Vous faites du 38, je vais vous donner du 39. Il faut au minimum une pointure au-dessus. Alors pourquoi? Parce qu'en général, les chaussures de running, chose plus petite, et en plus, vous avez les pieds qui gonflent à l'effort. Donc il faut une petite marge, il ne faut pas toucher le bout de la chaussure pour éviter les ongles bleus. La chaussure doit aussi être adaptée à votre foulée. Les coureurs sont à 50% universels, 45% pronateurs et seulement 5% sont supinateurs. Si vous avez une foulée universelle, une chaussure classique conviendra et si vous êtes pronateur, il vous faudra choisir un modèle avec semelle compensée. Une fois que vous avez votre chaussure neuve, il est nécessaire de roder cette chaussure, donc faire 3 à 5 sorties de 3 quarts d'heure pour vous habituer à votre nouvelle paire de chaussures, au type d'amorti que vous avez choisi. Quand on a des ampoules dès la première sortie avec sa paire de chaussures qu'on a choisie, il se peut qu'on ait un problème de fragilité de peau qui nécessite aussi une bonne paire de chaussettes. On propose des chaussettes double peau anti-ampoule et aussi une pommade anti-frottement. Les ampoules peuvent aussi être la conséquence d'un mauvais choix de chaussures, alors n'hésitez pas à tester plusieurs paires de différentes marques. Enfin, n'oubliez pas qu'en fonction de la fréquence de vos sorties et de la surface sur laquelle vous courez, votre paire de chaussures s'usera plus ou moins vite. La durée de vie d'une paire de chaussures est d'environ 1200 à 1500 km en fonction du produit. Et si vous courez 3 heures par semaine, 30 km environ pour 10 km/h, vous en avez pour un an. Si vous ressentez la moindre gêne, n'hésitez pas à vous faire conseiller. La paire que vous ne sentirez plus au pied sera la bonne.